Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais y a vraiment personne. Tu sais où tu vas, Coco? Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il fait froid aussi, j'ai l'impression. Ça, c'est peut-être à cause de ta déconnexion. Non, pas seulement. Stop! Hein? Coris? Mais que... Chut! Vous entendez? Ça vient de là-bas, au fond. On se planque! On dirait que ça se rapproche. J'aime pas ça. C'est un membre du personnel, sans doute un scientifique. Si ça se trouve, il peut nous aider. J'y vais. On te suit. Non, attends. Coco, non. Attendez! Monsieur! Oh. Monsieur? Tiens donc. Bonjour, jeunes gens. Oui, oui, bonjour. Écoutez, on a besoin d'aide. D'urgence. Ah, mais vous êtes des joueurs. Que faites-vous ici? Et pourquoi n'êtes-vous pas connecté? On n'a pas le temps de vous expliquer. On s'est déconnecté d'urgence et... On a besoin de savoir ce qui se passe ici. Oh là, doucement. Je ne comprends pas, mais que... Mais de quoi parlez-vous? Bon, écoutez, on sort d'une mission spéciale sur l'œil de Milana et ça a mal fini, et on ignore pourquoi. Ça vous dit quelque chose? Et depuis qu'on s'est déconnecté, on n'a croisé personne, nos casiers sont vides et... Oh, attendez, attendez, hein. Comment ça, personne ici? Vous vous êtes perdu? Bon, moi je vous assure qu'il ne se passe rien d'anormal. Mais... Et je pense aussi que vous devriez vous reconnecter. Non! 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 Justement, vous ne comprenez pas! Oh si, je comprends, je comprends. Vous avez juste besoin de... Hein? Qu'est-ce que... Je vous avais bien dit de pas approcher tout de suite. Oh. Archie, t'as gardé l'arme. Évidemment, c'est plus sûr. Ouais, mais là, t'abuses, ce scientifique était pas dangereux. Qu'est-ce que vous en savez? Il allait prendre quelque chose dans sa poche. Ah tiens, c'est vrai. Je vais voir ça. C'est une barre de céréales. Ah, la bonne blague. Mais... Archie, il faut que tu te calmes. T'as l'air surexcité depuis qu'on est retourné au réel. Mais oui, mais... Ouais, tu as raison, mais c'est ce contraste avec Milana, c'est vraiment... Ah ça, sans magie, tu te sens plus, hein? C'est con, mais... Tu devrais me donner ton arme. Tiens, t'en feras meilleur usage, je pense. Ok. Bon, on continue. Ah, attendez, regardez. Le scientifique a une montre. Oh, fais voir. Tiens, voilà. Oh merde! Il est 3h24 du matin, et on est... Oh mon... Ah mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu, c'est pas possible! Attends, ça fait 4 jours qu'on a commencé la mission depuis Arcadia. Ouais, ouais, ouais. C'est impossible. Selon cette montre, on serait resté plus d'une semaine. C'est quoi ce... Encore une bizarrerie de ce genre et je me pense, c'est pas possible! Faut pourtant croire qu'on est resté 5 jours de plus sur Milana. Non, elle déconne cette montre. Bon, on va pas en faire un débat public, c'est vraiment bizarre tout ça, mais avant faudrait qu'on sorte d'ici. Ouais, ok, on est reparti. Et le scientifique? Il est seulement assommé, on peut le laisser. Dans les couloirs du complexe de Game Life Island, il n'y avait toujours pas trace de vie. Nous étions manifestement les seuls joueurs réveillés et en bon état mental. Au passage, on avait essayé des interphones fixés à certains endroits. Allô? Allô, y a quelqu'un? Et si répondez, c'est le président et j'aimerais commander une pizza. Allô? Là, c'est mort. Mais le résultat ne fut pas plus concluant. Finalement, après avoir traversé de nombreuses salles de Mentode et remonté tous les escaliers et ascenseurs, nous sommes arrivés au niveau 0. Voilà, on y est, le niveau des trafics. Je me souviens de cet endroit. C'est là que les nouveaux arrivants sont informés et préparés à l'aventure sur Milana. Oui, sauf que là, on a... Regardez par terre! Ben merde alors, on dirait... des coups? Le sol est craquelé, plein de traces, comme si on avait voulu le faire s'effondrer. Pour ceux qui ont fait ce truc, la cible devait pas être le sol. J'aime pas ça. Oh non. Regardez, le hall d'entrée. Merde! Mais il est fermé! Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on sortira jamais, putain! Attendez, y a sûrement un moyen de l'ouvrir. C'est pas normal. Les portes comportent un bladage inhabituel et ça ressemble salement à un dispositif d'urgence. Comment ça?
J'ai fait des études d'ingénieur dans ce domaine. Il peut y avoir plusieurs raisons à leur fermeture. Mise en quarantaine, danger bactériologique, explosif, sismique, radioactif... Ou même en cas d'attaque militaire. Ces portes sont commandées depuis l'intérieur ou par un réseau externe. Ok, ok. Donc ça veut dire que quelque chose dans ce genre-là a dû arriver. On peut pas savoir. Pour ça, faudrait revoir les vidéos de surveillance. J'ai vérifié partout, aucune trace de contrôleur dans la zone. Mais comment on va sortir? Il y a forcément un moyen, on n'aurait pas des sorties de secours ailleurs qu'ici? Si, je crois, mais à mon avis, elles doivent comporter les mêmes systèmes de sécurité. Donc si on réfléchit, ça veut dire qu'on est... Je crois bien qu'on est... Piégé. Piégé, ouais. Et à l'extérieur, hein? Sur l'île ou ailleurs dans le monde, personne ne fait attention à ce qui se passe. Ici, ça déconne grave et le monde s'en fout. Oh là là, mais réfléchissez un peu. T'as une brillante idée à nous soumettre, Hélène? Mais attendez, vous imaginez la probabilité pour qu'un événement pareil ait lieu? Allô? Game Life Island, un des lieux les plus surveillés du monde, plus de 200 unités militaires et agents de sécurité, renforcés de 300 drones et robots de contrôle et de défense, un réseau informatique ultra blindé auquel rien n'échappe, des satellites, un noyau de traitement hyper sophistiqué et des veilleurs installés sur le continent Hélène, télésurveillance. Hélène, tu veux en venir? Et comment tu sais tout ça? Peu importe. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que ce qu'on vit en ce moment n'est pas un hasard. Quoi? Tu veux dire qu'on serait encore dans le jeu? Par exemple, oui. Hein? Ah, mais je vais perdre la tête, moi! Bon, le problème, là, c'est surtout qu'on est bloqué à l'entrée. Archie, t'as pas une idée sur comment est-ce qu'on pourrait ouvrir cette porte? Si, d'après ce qu'a évoqué Hélène, je pense qu'on peut les débloquer depuis le nerf. Le quoi? Le nerf, N-E-R-F. C'est comme ça qu'on a surnommé le centre de commande réel. Formidable. Mais Archie, cette salle, à mon avis, elle doit être verrouillée aussi. Non, plus pour nous. Regardez. Une carte magnétique? Oui, elle était dans une autre poche du scientifique de tout à l'heure. Enfin, un peu de chance. Ouais, limite RPG est là. Qu'est-ce que tu dis, Coco? Non, rien. Mais selon Hélène, on serait encore dans le jeu virtuel. Le ciel est couvert depuis des semaines. Selon le maître, c'est normal. C'est toujours mieux. J'aime la pluie et les orages. Ils démontrent la puissance chaotique au sein de la nature. C'est vrai. La guilde ne frappe d'ailleurs que les jours de tempête. Si le ciel est inchangé depuis tout ce temps, c'est qu'il se prépare quelque chose. Ah, voilà un groupe de personnes encapuchonnées. Ouais, j'ai vu. Halte là, voyageur! Qui êtes-vous pour vous approcher si près de la corde? Apprenez à me sentir, Garulf. Maître Dran, vous ici? Cela te surprend-il? Eh bien... Garde, nous sommes attendus. Et faire attendre, Maître Dran, est généralement une idée qu'on pourrait qualifier d'audacieuse. Oui, je crois qu'ils ont compris. Oui, tout de suite, maître. Vous pouvez passer. Pardonnez-nous. Bien. Quoi? Tu veux ma photo? Non, non. Yes.